qui était. Maintenant, je peux comprendre. Je peux comprendre que tu veux couvrir un petit peu. Je comprends. Moi, je suis certain que c'est pas toi le cerveau dans tout ça. J'en suis sûr. Peut-être que tu as plein de pognon parce que tu es au chômage. Écoute, tout est, on peut tout expliquer, d'accord? On peut tout expliquer. À partir du moment où on veut bien l'admettre. Maintenant, peut-être que tu as plein de pognon et qu'on t'a dit. Là, tu nous l'as dit. Il a dit, moi, j'ai touché un billet pour faire ça. Peut-être qu'on t'a dit, tiens, tu as touché un billet, tu fais le gay ou j'en sais rien. Peut-être qu'on t'a dit ça. Mais arrête de nous prendre pour des couillons. Tu vas passer devant un juge, devant un procureur, un tribunal en disant. En disant. Oui. Ah non, moi, je n'étais pas. Ton ADN est dedans, ton ADN est sur le gant qu'on a trouvé sur le grillage et tu n'étais pas. Écoutez. Écoutez, je vous ai dit comment ça s'est passé. On m'a volé mon casque, on m'a volé mes gants. Mais arrête, dans ce gant, mais écoute-moi aussi, bordel. Arrête de nier les évidences. Toi, tu me racontes l'histoire de ta bagnole qu'on t'a cassée au marché de Montfermé. C'est de la couille, je te dis, c'est de la couille. C'est vraiment pas de la couille.